Bonjour, je m'appelle Nicolas Catelin, je suis doctorant en première année avec Jean-François Ritz et Stéphane Bèze. Donc c'est une thèse qui est financée à 100% par l'IRSN. Aujourd'hui, je suis ici sur le terrain dans le cadre de cette campagne de tranchées qui s'inscrit en fait complètement dans mon sujet de thèse. Mon sujet de thèse qui porte à mieux comprendre toute la déformation et la tectonique qui est présente ici dans les failles de cette terminaison nord-est du faisceau de failles des Cévennes. Alors avant ça, moi j'ai fait un parcours assez classique, c'est-à-dire une licence de sciences de la Terre et un master en géodynamique de la lithosphère. Que ce soit en licence ou en master, je m'étais d'abord orienté vers des stages qui touchaient plus au pétrométamorphisme, donc des échelles de temps vraiment très longues. Puis j'ai senti que j'avais besoin de quelque chose de plus actuel que je peux venir voir sur le terrain, toucher et mesurer aujourd'hui. Donc c'est là que je me suis tourné vers la tectonique active vraiment et la paléosismologie dans laquelle je fais ma thèse.